Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Quantum Break, chers amis. Donc, normalement, un des derniers épisodes, apparemment, il n'y a que 5 actes. 5 actes, dont 4 parties apparemment, ou 3 ou 4 parties plutôt. Donc voici la cinématique que nous avons loupée après être rentrés dedans. Et où en fait, justement, je revois le début du jeu. Salut les gars. Oh merde! Oh! Ah, monsieur a pas envie de le laisser vivre. Pas du tout. Ok. Pourquoi tu remontes pas juste le temps de l'objet pour le laisser ouvert? Parce que gameplay, voilà. Ok, je capte. QG, on a un intrus dans le labo. L'équipe d'extraction du noyau est morte, à vous. Tous. Comment? J'ai essayé. On avance. Désolé. Hop, ça c'est fait. Alors je suis curieux de savoir maintenant s'il y avait moyen de ne tuer personne dans le jeu. Je suis arrivé juste après le début de la fracture. D'accord. Trop tard pour l'empêcher de se produire. Mais pas trop tard pour sauver Will. Tout ce que vous aviez à faire, c'était de le trouver à temps. Ouais. Merde, pas bon endroit. Les caméras de sécurité montrent... Voilà, j'en doute un petit peu de toute façon. Pardon, de toute façon. Toujours un petit peu de problème de gorge, chers amis. Voilà, je prenne un petit bonbon à la menthe. Ok, c'est bon. Au niveau des pouvoirs, j'aimerais juste voir... Attention à pas me spoiler des choses, hein. Parce que j'ai plein de points. Donc détection de menaces prolongée, portée augmentée, ça peut être sympa. Mais bon, c'est pas véritablement. Concentration prolongée, pourquoi pas. Acheter. Hop. Concentration maximale. 3 esquives temporelles, ça peut être pratique. Hop. Ok. Bon. Pour le reste... D'accord. Rien de bien intéressant. Ok, on y va, on y retourne. Hop. Rien d'autre. On y go. C'est parti, j'appuie sur le bouton. Donc normalement encore donc deux, enfin cette vidéo plus une autre ou peut-être une de plus. Quelques vidéos en tout cas. Le seul véritable problème c'est que je n'ai... Ah si, j'ai quelque chose. J'ai quelque chose entre temps, je me suis payé un petit jeu à 7,50€ là pendant les soldes d'Halloween. Je pense qu'on va s'amuser un petit peu dessus, ça va être un petit peu de la détente. Il y a aussi Elon Ebor qui reviendra de temps en temps, je pense. Hatch avait raison. Oh. On aurait dû envoyer Liam Burke en premier pour s'occuper de ces enfoirés. Les ordres étaient de les... Désolé. Vous allez rester couché. Hop. Ça ne lui a rien fait. Tu m'as dit quoi? Passer derrière lui? Raté! Hop! Hop! Un par un, chers amis. C'est important. Ah, je suis coincé par là en fait. Ok. Ok. Viens, on va papa. Boum. Hop, lui je l'ai eu. T'es pas censé survivre à un coup de shotgun dans la tête normalement. Même avec un casque, hein. Que Will et moi, on se dirigeait vers la cour quand l'interruption avait frappé. C'est là que ah, ah si, un sac à dos. Je me disais, y a pas de sac à dos. What the fuck. Ok. Donc c'est bien, il se rappelle du début du jeu. Oh non, je connais ces trucs là, c'est pas bon. Hop. Bonjour. Comment j'y vais? Oh, c'est joli ça. C'est très 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 joli ça, mon ami. Hop, tu permets, je passe là.
Qu'est-ce que tu fais sous... C'est les hélicos qui font cette espèce d'effet... Pourquoi pas. Accéder à la cour. Mais enfin les mecs, je... Oh, d'accord. Hop, allons-y. Oh! Non, toi tu t'en vas pas. Désolé. Hop, excusez-moi, j'ai un truc dans l'œil. Wow, oh, ouais, on se calme les filles. Bam! Toi tu te relèveras pas. Toi non plus. Et toi non plus. Hop. Désolé. Est-ce qu'il y a un sac à dos dans le coin? Sac à dos. En fait, dans ce jeu, les sacs à dos, c'est la vie. Si Enzo ne t'a pas de sac à dos, tu vas en chier. Ok, là je peux voir un retour vers le futur. Ok, je te suis l'ami. Oh merde. Ah il fallait, je suis con, il fallait que je sprint tout simplement. Oh je suis mauvais. Allez reviens le camion. Reviens le camion. Allez. Hop, c'est bon. Oh, oh, il y a des gens. Oh, il y a des gens partout. Ok, j'ai pas compris ce qui lui arrivait à lui. Hop, ça c'est fait. Merci pour le tuyau. Bonjour monsieur. Bon, je vais vous laisser la vie sauve pour le moment, monsieur. Ah bah tu devrais sprint encore plus vite que moi lui. Hop, désolé, toi, on ne te reverra pas dans la série. Ah il s'est fait mal à la main mon perso. Hop, non. Non, non. Alors je tiens quand même à préciser pour ceux qui ne le savent pas chers amis, il y aura Watch Dogs 2 sur la chaîne. Et ça c'est vraiment cool parce que j'ai vraiment envie d'y jouer à ce Watch Dogs. Boum! Ah là, tu as marché beaucoup moins bien, Simone, hein. Alors. Où sont les... Putain, j'ai hâte de le voir. Ah! Désolé! Ce sera pas pour tout de suite. Oh mon dieu, il y en a un qui arrivait là-bas. J'ai cru voir un sac à dos! Ah non, il est pas dedans, lui. Ah bah si, ils sont dedans maintenant. Oh merde! Ah, mon mam... J'ai plus de pouvoir. J'avais eu l'impression que Monarch était aux prises avec quelqu'un d'autre. En fait, c'était moi depuis le début. Oh. Raider 9, comment ça on a perdu l'équipe Striker? Hop, j'ai plus de balles. Je m'en vais. Tu permets, je reviens. Hop, désolé. Où est le sac à dos qui est le plus proche? La vache, il est loin. Hop. Tu es bien passé par... Ah mais... Ça y est. On aurait dit Sérène qui parlait. Désolé, je voulais pas t'embêter. Hop. Allez, meurs! Oh là, bah voilà qui translate aussi, lui! Hop, merci les filles! Boum! Et la bagnole avec! Me dites pas que vous avez survécu. Ah, voilà! Désolé, Simon! Oh bah merde! Hop, voilà, je l'ai eu. Sac à dos. Voilà comment ce jeu se joue. Avec un sac à dos.
Alors, excusez-moi, j'ai carrément mal à la gorge là, carrément. Vous vous attendez pas à ce qu'on soit deux, en vrai ? Oh ! Oh ! Hello, guys ! Putain, mais qu'est-ce que tu fous là ? Il me faut le code pour la porte, ils ont besoin de moi. Je le connais pas. Allons voir Wade. Ok, bizarre. Eh, je vais pas avoir le code, c'est ça ? Le système d'ouverture. Il me faut le code. Allons voir Wade en haut. Y a-t-il un monsieur Wade dans le coin ? Je me dis pas qu'il va falloir que je les suive. Oh. Ok, on y retourne. Bon. Hop. Putain, mais qu'est-ce que tu fous là ? Il me faut le code pour la porte. Je le connais pas. Allons voir Wade. Apparemment. Ah, fallait que je les suive jusqu'au bout de l'animation, d'accord. Ok. Ok. Pourquoi pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais boire un coup. Pas du bien. Cette bouteille est animée par le démon. Regardez ça. Elle tremblote toute seule. Ok, on y va. Salut les filles. Oh les filles, oh les filles. Je vous trouve, marteau. Oh là là. Allons-y. On va y arriver. L'employé de l'université de Riverport du moment, Paul Seren, responsable de projet, fondateur de plusieurs jeunes entreprises florissantes. Paul Seren a rejoint l'université de Riverport en 2010 pour diriger l'un des projets de recherche en physique les plus importants de l'histoire de la faculté. C'est le plus jeune responsable de projet que notre université ait connu, mais aussi le plus brillant. Son implication a généré des investissements considérables qui ont mené à la création du projet Promenade, un programme de physique quantique aussi ambitieux que confidentiel. Selon les propres mots de Paul, je ne suis pas chercheur moi-même et certaines personnes se demandent sûrement pourquoi je me suis battu si dur pour obtenir... Je l'ai déjà lu. Je l'ai déjà lu au tout début de l'aventure. J'en suis persuadé, chers amis. Je suis certain de l'avoir déjà lu. Ok. Hop. On y va ! J'ai branché ce bijou sur le courant du campus. C'est la dernière fois qu'on demande à Wade d'apporter cette putain de batterie. Parfait. Le petit malin qui fout la merde dans ce parking n'est pas prêt de sortir. Ah ouais. Feu de pouvoir. Aïe, tu veux bien te planquer dans un bon endroit où tu peux te planquer pour de vrai. Remarque, tu peux les faire venir, hey, remarque. Hey. Venez les filles, je vous attends moi. Vas-y, viens. Hop. Alors. Hop, le PC portable. Crac. On dirait qu'il est branché ailleurs. Y'a pas de temps à perdre. Je dois retrouver Will. Hop. Oula, attendez, y'avait un truc écrit à côté. Merde. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oula. Merde, c'est pas bon ça. Oh non, je vois si il y avait un truc écrit à côté, je crois que c'était fait pour justement empêcher ça. On va bien voir, hein, on va le lire. La porte est fermée. Ça veut dire que l'intrus est toujours là. Non, je peux pas aller lire mon objet. Pour l'équipe Striker, il a des complices, c'est sûr. QG, il est ici, terminé. What? Terminé. Pour qui? Et de 1. Et de 2.
Hop. Et deux, trois. Et de 4 voire 5. Ah, j'ai rien dit. Ce monsieur s'est réveillé comme si de rien n'était. C'est fini, la cible est à terre. Remarque, si je peux revenir avant l'utilisation du bouton, je peux peut-être aller voir ce qu'il y a écrit sur le papier. S'il vous plaît. Et merde. Il y avait un super papier que je pouvais lire ici et. Et merde. Qui a tiré ? J'ai pas tiré encore. Hop les, dégage. Hop les. J'ai pas en avoir assez. Hop. Ok. Oh la vache, ils sont bons. Hop! Ah! Il y a un bouffon, une deuxième! C'est bon, je l'ai eu. Hop, les, voilà, c'est bon, ça c'est fait. Ok. Pouh. Je peux aller lire mon papier maintenant. Je dois aller à la bibliothèque. Je peux aller lire mon papier maintenant. Alors, c'était quoi? Attention, ne pas raccorder au réseau. Ne pas débrancher. J'ai fait le con. Par contre, j'ai l'impression que ma mitraillette, elle est naze. Je dois retrouver Will avant qu'il soit trop tard. Will. Hop. Oula! Ça ressemble curieusement à un explosif. Je veux pas dire, mais. Non? Bon. Y'a pas de temps à perdre. Je dois retrouver Will. Oui, bah je cours aussi vite que je peux, hein, Usain Bolt. Hein. Ah! Bonjour. Merde. On m'a dit de monter la garde. Faut que j'arrive à la bibliothèque avant lui. On a déjà des hommes là-haut. Ils en veulent plus. Allez vous plaindre à Sirène si elle n'est pas d'accord. J'ai les yeux explosés aujourd'hui, c'est rigolo. Et hop, je passe. Ah bon? Oh. Parce que plutôt que de mettre les mains par-dessus le grillage et gagner du temps, en fait, on va le faire passer par ailleurs. Okay. Voilà. J'ai vraiment... Ça me donne envie de jouer à Watch Dogs, honnêtement, chers amis. Watch Dogs 2, là, il me vend du rêve, honnêtement. Et je pense qu'il va vraiment être cool. 28 novembre, ça fait un mois. Enfin, 27 jours maintenant. Ouh, joli. Mais alors... C'est Bess? Bess. What the? Ah oui, elle est vivante ici, je peux peut-être la prévenir. QG, William Joyce est dans la bibliothèque. On attend vos ordres, terminé. Non, j'y suis pas encore. Reste pas là, Jack. Run home, Jack! Rentre chez toi! Run home, Jack! Rentre chez toi! Pour ceux qui voient la référence. Ah bah oui. On a perdu le contact avec l'unité de sniper. On inspecte les en ce moment même. Tenez-moi au courant. Attendez, je vais faire... Oh non. Oh non. Ah, depuis que vous avez vu la scène de James Bond. Oula. Hop. Boom, bitch, get out the way! Voilà! Hop! Boom! Boom! QG, on attaque la cible, terminé!
Voilà. Et toi? Au pistolet. T'es où? Tiens, bouffe. Voilà, fini. Numéro 1 monarque. C'est tellement stylé. Oui. Ah bien, je t'attends. Tiens bon, Will. J'arrive. Ah, c'est plus le coup d'épaule. What? Ah oui, d'accord, c'est pour monter. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? J'ai cru voir une espèce de... d'interaction étrange. Bon, je dois aller à la bibliothèque. Alors qui est-ce qu'ils ont... Ennemi en vue! Je rêve, c'est lui! Fait mal, hein? Bullshot! Toi, t'es mort aussi, je pense. Hein. Voilà. Wow, sniper! Tu veux bien te baisser? Hop. Est-ce que je peux sniper le sniper? Faire mieux que ça. Boum le sniper qu'on l'appelle. Ah non. Allez. Boum. Ah, je préférais lâcher mon... Ah, oh, quel dommage. Oh, mais t'es... Tu sers à rien. Ah, changement de sens. Hop. Papa. What? Boom, bitch, get out the way. Aïe. Bah, venez. Quoi? Comment ça, il y a un explosif là-bas? Ah, tu t'exploses pas avec ça. Ah bah merde. Ça y est, je l'ai eu. Ici, numéro 1, Monarque. Hop. J'approche de l'arrière de la bibliothèque. Aïe. Non. Et pour un mec qui peut arrêter le temps, je le trouve un petit peu lent, mon petit. Hop. Recharge. Je dois descendre. Tu peux pas recharger ton flingue, s'il te plaît, merci, voilà, hop. Ok. C'est quand même le comble, le mec qui peut arrêter le temps. Attendez pour détruire la bibliothèque. J'entre. Oh, putain. Mais si tu t'es vu déjà à l'époque, tu pourras pas empêcher... Ah si! C'est pour ça que Seren laisse tomber les cailloux en dessous. Pour pas qu'on le remarque. En fait, on vient le sauver au dernier moment. C'est pour ça que Seren ne le tue pas devant nos yeux. Putain. Putain de merde. Il est déjà parti. L'entrée. L'entrée. J'ai plus beaucoup de temps. Will. C'est la folie. Je suis sûr que c'est ça. Au contraire. Et c'est pour ça que je ne peux pas te laisser agir contre moi. Ah. Regardez. Allez-y. Je n'ai jamais voulu ça. Désolé, je bouffe des cheveux. Je suis certain que c'est ça. Mais vas-y! Tu ralentirais le temps. Vous voyez? Mais à mon avis, voilà. Le destin va faire qu'il va voir, il va avoir plein de choses qui vont tenter de le tuer. Parce qu'il était censé mourir. En tout cas, c'est la vision de Seren. Désolé, j'ai l'impression de bouffer des cheveux. Alors, les tartes aux cheveux, je suis pas fan. Ah, oh, j'ai eu la même coupe que toi, attends, c'était terrible. Jack. Quoique. Non, c'est pas exactement la même. Hey Will. Tiens, un cadeau.
Comment? Oh, Jack. Will, dépêche-toi. Cri de douleur. Monarque l'a toujours eu. Les mecs, ils se parlent. Comment elle va, ta femme? Elle va bien depuis que t'es venu la tringuer. Il y a encore la voiture. Pas encore. Elle marche? En théorie, oui. On doit aller à ma machine. Elle doit nous ramener d'où tu viens. Non, le futur. Non. On n'a pas le choix. Faut qu'on arrête la fracture ici, aujourd'hui, maintenant. Non, écoute-moi. La fracture n'était pas réparée là d'où tu viens. Donc on ne pourra pas l'arrêter ici. Des gens vont mourir, Will. T'as pas vu les. Il a raison. Si on répare la fracture maintenant, la fracture de maintenant, lui, il n'aura jamais pu revenir donner la contre-mesure. Une chaîne d'événements qui ne peut pas être brisée. On n'en sait rien. Et si elle pouvait être brisée, ça pourrait mettre le monde entier. Il a raison. On n'a pas le droit à l'erreur. Il y a beaucoup trop en jeu. Tiens, grosso modo, c'est comme si le scénariste est rendu compte de sa merde et il est en train de faire. Alors, faut que je me sauve. C'est fou. Tout ce que tu as fait pour arriver ici était nécessaire. Crois-moi. On ne change pas le passé. Le futur n'est pas. Ok. Ah, bah là, le jeu remonte dans mon estime. C'est con! Tout le monde avait dit qu'il avait une bonne fin, enfin une fin qui remontait un petit peu. Non, je sais plus ce qu'on avait dit. Ah, je sais plus, tant pis. Si ce que tu dis est vrai, alors on verra bien. Je t'ai vu mourir, Will. Réfléchis, Jack. Tu m'as pas vu mourir physiquement, n'est-ce pas? Non, j'ai vu le toit s'effondrer sur toi. Et tu as cru que j'étais mort. Oui, c'est ce qui t'a amené ici, pour t'assurer que ça resterait une illusion. Tout ça est une boucle. Si on voit le temps comme un œuf, alors... Arrête avec cette histoire d'œuf. Bess, moi, ça je vois pas ce que c'est. Amy, Bess et moi. Si ça c'est la machine de. Ça ce serait bien la machine de. Comment qui s'appelle de. Sorte de là et qu'on aille à la Bradbury. Oh putain. Je m'attends au pire. Oh, baisse-toi, par ici. Il y a une vraie boucherie là-dedans. J'ai besoin d'air. Les nettoyeurs ont intérêt à se manier. Attends qu'ils soient partis. Bon, je sais que c'est dur à avaler, mais le fait que tu aies réussi à me sauver tout en maintenant l'illusion de ma mort vient renforcer la théorie que je défends. Le passé reste toujours intact. Si on s'en tient aux planches, on risque rien. Et le principe de cohérence de Novikov triomphe. Novikov, super. On fêtera ça plus tard si tu veux bien. Ouais. Allons sauver le monde d'abord. Viens, on va rejoindre les autres. J'aurais pu les tuer. Ça se trouve, les tuer, ça aurait été bien. Ma caméra est pas au bon endroit. Depuis le début de l'épisode. Je suis désolé, je reviens. Ok, re, chers amis, donc on est bon. Je suis désordre maintenant. Ça ressemble pas à mon frère. Je sais. Ah, je crois qu'il allait me dire un truc. Un truc intelligent, vu que c'est lui l'intelligent du groupe. Moi, je suis l'impulsif, lui l'intelligent. Allez. Putain, sans cet arabe laboratoire, mais il court vite. Par ici. Ce serait trop dangereux de les aider. Je sais ce qui va arriver si je fais rien. Et ça arrivera quand même, Jack. Je pensais ce que j'ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas d'exception. Si tu te foires en essayant de changer ce qui ne peut pas l'être, ça pourrait nous être fatal. Je t'en prie, Jack. Notre avenir en dépend. Ce qui est fou, en fait, c'est qu'il croit son frère alors que Seren dit la même chose. Tu as dit que Monarque avait la contre-mesure depuis le début. Comment? Pourquoi? Paul s'en servait pour alimenter un genre de programme de survie. Merde, je l'ai perdu. Ils ont dû l'utiliser comme une sorte de régulateur de champ de chronon localisé. Elle était là. Putain, je l'avais perdu le pauvre bonhomme. Ouh là là. Puis comme il apparaît pas comme un être vivant. Le docteur Amaral et le docteur Kim ont tous les deux été embauchés. Ah, je suis déjà passé. Quoi maintenant? Ouh. Wow. On doit y aller, Jack. On ne peut pas risquer de se faire repérer ici. Non. Ouais. Je dois la prendre. La source de Cronon. Voilà, c'est bon. Je cours aussi vite que je peux. Pfiouf. Ah, c'est le début de la scène. Ok. J'ai toujours cru que c'était Bess Wilder qui avait la contre-mesure, à l'abri quelque part. Après tout, c'est elle qui m'a prévenu. Il m'a dit de le construire. Je sais. Tu l'as rencontré. Est-ce qu'elle nous aide? Elle est morte. Elle nous aidait. Ah, je vois. Même chose, même endroit. Allez, on n'est pas en sécurité ici.
Merde. Pourquoi regarder le caméraman? Oh, Bess. Hey, Will. Par ici, vite. Et merde. Il va aller voir la femme qu'il aime. Et il doute. Apparemment, il doit sentir très très fort. Parce qu'elle l'a senti. Bon. Et bien écoutez, chers amis, du coup, c'est là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom. Ne pas trop le lien dans la merde de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir laissé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour toutes aventures. Je voulais surtout pas que la vidéo commence avant. Voilà. Salut les gens!